Alors, dans cette vidéo, j'interviens chez un client qu'un collègue pour remplacer un échangeur hydrogaz. Donc, c'est un ballon d'eau chaude sanitaire, la case énergie. Et donc, l'eau chaude est chauffée par le biais donc de cet échangeur là et d'un bouleur gaz. On remplace cet échangeur parce que l'échangeur est percé. Ce qui crée une fuite d'eau énorme. D'ailleurs, en fonctionnement, vous le voyez, l'eau passer dans les tubes de fumée ça coulait le long du ballon ECS. Et on va voir pourquoi l'échangeur a percé. Avertissement. Le milieu chauffé est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Donc, j'ai le collègue qui arrive deux heures avant moi sur le site. Donc, ce qu'il fait en premier, c'est donc, euh, couper le brûleur et il doit vider ce ballon d'eau chaude sanitaire. Malheureusement, la vanne de vidange est inaccessible. Donc, pour le vider, il enlève les boulons du bas, quoi. Il dessert tous les boulons autour de la bride. L'échangeur est fixé sur la bride du trou d'homme du ballon pour créer une fuite, une grosse fuite. Donc, manque de bol. En plus, et celle des machines est très mal conçue. Il est obligé de se faire chier avec des seaux pour éviter d'inonder la salle. Des machines parce que sur le côté il y a une armoire électrique qui est posée au sol, donc c'est une très grande armoire électrique sur laquelle sont raccordés plusieurs groupes frigorifiques. Les câbles viennent du sol et souvent sur ce type d'armoire il y a une surélévation en béton de, de 3 cm pour éviter tout risque. Donc là c'est pas le cas, donc il y a quand même un risque électrique là, c'est à dire que l'armoire en plus n'est pas surélevée. Donc euh, voilà, quand ça a mal été conçu, et donc là on le voit sur la photo là. Donc il utilisait des saumes mais il utilise aussi euh, ce genre de boîte en plastique là. Donc le gros souci c'est quand on a un ballon comme ça qui doit faire euh, plusieurs centaines de litres sur le schéma hydraulique que j'ai il marque que c'est un ballon de 300 litres j'ai du mal à croire que ça, ça soit un ballon de 300 litres je pense que ça fait plutôt euh, au moins 1000 litres je dirais entre 1000 litres et 2000 litres euh, la méthode euh, petite fuite euh, il y en a pour la journée quoi donc moi quand je suis arrivé il n'avait pas fini de le vider donc en principe dans une salle des machines où il y a des ballons d'eau chaude sanitaire de ce calibre là hein, les salles des machines j'ai déjà dit comme les sont faits pour être inondés. Il y a des évacuations au sol, comme par exemple, dans les chauffées, on a des dilatoflex pour absorber les vibrations des pompes. Des fois, ça peut péter, ça peut lâcher. Donc, obligatoirement, de la flotte, il y en aura partout dans, dans la salle des machines. Donc, à la base, les salles des machines, c'est fait pour être inondé Comme on peut le voir dans la vidéo show 159, la réparation de l'abri d'un trou d'homme qui fuit d'un ballon de 5000 litres de CS où je vide un ballon de 5000 litres de 5 mètres cubes. Donc, lorsque je dis que la salle des machines peut être inondée, c'est à dire qu'on peut y balancer de la flotte, au niveau du sol et des très grosses quantités sans que ça pose problème donc là c'est un peu chaud là parce que il euh, y a l'armoire électrique il y a un risque électrique donc là quand j'arrive euh, je dis au collègue là on en a pour la journée là le vider ce ballon donc faut vraiment accélérer le mouvement parce qu'on va pas s'en sortir donc là j'ai ouvert l'armoire électrique j'ai regardé euh, au niveau câble s'il si y en avait qui était pas abîmé voilà donc après j'ai vu en tout cas que sérieusement ça avait l'air de tenir la roue donc après euh, le collègue est sorti moi j'ai débridé euh, pour que ça pisse euh, bien et après moi aussi je suis sorti jusqu'à temps que l'eau arrête de couler du blanc sanitaire en croisant les doigts que ça ne provoque pas un défaut d'isolement en court-circuit au niveau de l'armoire électrique car en plus derrière il y avait plusieurs groupes frigorifiques. mais bon c'est souvent comme ça les salles des machines sont faites à l'arrache c'est à dire en mode low cost et les gens pensent pas à l'entretien à la maintenance et là on voit que ben, quand il faut intervenir dans, sur le système et eh bien il n'y a pas 36 solutions un ballon il faut le vider car en plus l'évacuation est inaccessible l'évacuation est d'un tout petit diamètre et même avec ça bon voilà il aurait fallu la journée pour le vider donc là je parle de l'évacuation du ballon de chaux sanitaire hein, qui est sous le ballon mais qui a mal été conçu car accessible, donc elle ne sert à rien. Donc c'est un site qui est éloigné de tout, qui est dans la campagne l'idéal aurait été de dire au client la veille de couper euh, l'arrivée d'eau froide dans le ballon d'eau chaude sanitaire, de couper euh, la pompe de boucle CS d'arrêter le brûleur et euh, d'ouvrir les robinets d'eau chaude dans le bâtiment, en tout cas quelques-uns pour faire une prise d'air et de lui faire ouvrir euh, la purge, c'est-à-dire la vanne de vidange qu'il y a en bas du ballon d'eau chaude sanitaire. Le seul souci c'est que comme la vanne des Vidange était inaccessible, le client ne pouvait pas le faire et en plus, l'entreprise pour laquelle je travaillais, c'est elle qui avait fait les travaux. Donc là, quand tu travailles dans une entreprise qui fait des travaux, mais des fois qui veut prendre le chantier, qui diminue les prix, bon, parce que la concurrence est très forte et que l'entreprise veut absolument ce chantier pour faire travailler ses gars. Et donc, quand les prix sont très bas, les gens doivent travailler très vite et donc, au niveau qualité, on va dire que c'est pas ça, le boulot n'est pas super. Comme là, la vanne est inaccessible, donc c'est grave pour un ballon d'eau chaud sanitaire de ne pas pouvoir accéder à la vanne de vidange parce qu'elle a une fonction cette vanne on le verra après donc voilà donc c'est compliqué donc on peut pas dire au client que bah, la vanne est inaccessible parce que le gars le client qu'est ce qu'il va dire mais bah, attendez vous foutez de moi euh, c'est vous qui avez fait les travaux c'est toujours comme ça que ça se passe euh, chez les clients donc voilà donc ça ça fait partie du, du jeu il hein. y a un souci bon bah, on est obligé de rien dire entre guillemets et donc comme le site est super éloigné faire venir quelqu'un la veille juste pour euh... Commencer un petit peu à d'hybrider pour vider le ballon. Ça a un coup et donc pour la boîte ça valait pas le coup de faire ce genre de choses. Et donc une fois que l'eau a arrêté de couler au niveau de la bride du trou d'homme du ballon d'eau chaud sanitaire, et bien avec le collègue on a enlevé l'échangeur. Ouais. ouais, ça c'est la le calcaire donc le traitement de l'eau qu'il a il est pas bon alors. Il est pas bon du tout. Parce que là là tu peux rien faire là. Dans quel état est l'échangeur? Donc, on voit le, le calcaire là. Vous voyez, c'est de, de la pierre quoi. Ça, on voit que ça a poussé sur les tuyaux. Ici, là, il y a l'échangeur et ça a créé une fuite. On peut voir que celle-là, le calcaire l'a complètement éclaté. Donc, est-ce que le traitement de l'eau est mauvais? Probablement hein, parce que pour qu'il y ait autant de merde, c'est hallucinant quoi. Voilà. Donc, on voit, hein, c'est de la roche. Hein. Donc, bien sûr, à l'intérieur, il y a le fond du boiler, donc c'est hyper chaud. Et donc, euh, de l'eau bah, dessus, ça fait ça. Mais je pense qu'il doit y avoir un petit traitement d'eau quand même, parce que le machin, il a 8 ans. Et si tu les 8 ans, il faut changer un échangeur comme ça, euh... au secours. l'état du ballon. l'état du ballon. Donc on voit le, le ballon il est blindé de, de calcaire, hein, surtout que la, surtout le bas il doit y avoir plusieurs semaines de calcaire, là, facile, ça n'a jamais été fait. Donc c'est pour ça qu'il faut faire les purges ballon euh, une fois par semaine ou deux ou, de, ou, ou, ou enfin, ça dépend, mais il faut les faire pendant longtemps parce que là, justement les purges ballon ça permet de, de chasser le calcaire. Mais là la, la vanne est inaccessible, euh, les purges ballon n'ont jamais été faites, voilà. Et de plus là-haut là on a une, une anode, l'anode il n'y en a plus. Elle a été bouffée depuis un petit moment mais le ballon à l'intérieur est vraiment en bon état. Voici là en un très bon état. Voilà. Là on peut voir le bouleur alors on peut voir qu'à l'intérieur du ballon, l'état est correct, en tout cas au niveau des surfaces. Donc ça a l'air d'être un ballon en acier inoxydable. Donc c'est pour ça que l'eau ne réagit pas avec euh, l'acier du ballon. Alors que sur cette photo, on peut voir un autre ballon, donc un ballon de CS, que l'on a pu voir dans la vidéo chaud 164, l'ouverture et l'entretien d'un ballon ECS de, de 3000 litres, chauffé par une épingle. Donc là, on peut voir que lui, là, ce ballon-là, eh il a bien été attaqué euh, par la corrosion. Donc sur cette photo, on peut voir l'échangeur et on peut voir qu'entre le tube principal où il y a la flamme... Et tous les petits tubes qui autour, donc ce sont les tubes de fumée. Et bien qu'il y a de la roche qui s'est formée entre les deux et ça a poussé donc les tubes de fumée et il y en a un qui a cédé. Donc cette roche, hein, c'est du calcaire et d'autres matières minérales, mais j'ai oublié les noms. Donc si tu connais la terminologie de cette matière minérale qui a sur échangeur tu peux laisser dans les commentaires sous la vidéo. Donc cette matière, elle est dans l'eau. Hein. Donc c'est sûr qu'on voit un verre d'eau, on ne la voit pas, elle est invisible. Mais lorsque l'on chauffe de l'eau, il y a des réactions chimiques qui se produisent et ça provoque ce. Genre de phénomène là avec le temps donc c'est pour ça qu'il doit y avoir un traitement de l'eau et qu'il doit y avoir régulièrement des purges ballons. Mais ça on le verra plus tard avec la documentation du constructeur. D'ailleurs, l'échangeur a enlevé même à deux. C'était une grosse galère parce que le poids de cette pierre là, donc cette matière minérale, a bah, fait que c'est super lourd. Donc là, je vais montrer quelques photos, donc quelques gros plans sur cette matière minérale là qui pousse sur les tubes de fumée. Sur cette photo, donc on voit les tubes de fumée et derrière euh, le calcaire, donc euh, toute cette partie minérale à cette pierre. Donc il ne doit pas y avoir que du calcaire là-dessus, il doit y avoir autre chose. Je pense, je suis pas spécialiste. Sur cette photo, encore un petit zoom sur cette matière minérale. Et on voit que c'est vraiment impressionnant. quoi, C'est vraiment de, de la pierre, du caillou, c'est hyper euh, rigide. Et on, on voit que cette pierre-là, donc le calcaire avec la chaleur, ça devait un peu se dilater. Et on voit que les tubes de fumée sont un peu ovalisés. Et il y en a un qui a dû céder. Et donc, ce qui a créé une fuite. Mais avoir sur un échangeur autant de merde, c'est impressionnant. Donc, après avoir enlevé l'échangeur, il a fallu nettoyer l'intérieur du ballon. Donc, avec l'aspirateur et un seau, on a vidé donc le fond de cuve. Voilà. Et bien sûr, on a enlevé toute la matière minérale qu'il y a au fond du ballon. Donc, on a dû retirer entre 50 et 80 kg de matière minérale que l'on a mis à la poubelle. Sur cette photo, on peut voir l'échangeur qui est neuf. Donc, ça, c'est le nouvel échangeur que l'on va mettre après sur le ballon d'eau chaude sanitaire. Alors sur cette photo il est posé sur le ballon de CS donc là on peut voir il y a un gros joint là, c'est à dire que c'est la feuille de joint là, de couleur verte que l'on peut voir là sur la photo, donc ça c'est un joint donc là après il faut mettre une plaque donc sur le trou de gauche il y aura le brûleur et donc sur le trou de droite là il y aura l'évacuation des gaz de combustion donc c'est le conduit de cheminée sur cette photo on peut voir la plaque et donc après j'ai remonté le brûleur tout ça, on a remis en eau le ballon d'eau chaude sanitaire, en faisant bien la purge du ballon, c'est-à-dire en chassant l'air. On a mis en marche le brûleur, et là, malheureusement, le brûleur s'est mis en défaut. Donc, le fait de le démonter, il euh, y a un truc qui a cédé, quoi, euh, le brûleur ne fonctionnait plus. Donc, ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Donc, là, c'est clair que le client, il était un peu énervé, hein, que entre le moment où il y a eu l'affût d'eau et le moment où l'échangeur a étaient commandés, et donc aussi euh, du moment où le client a accepté le devis, ça a pris plusieurs semaines, je crois que ça a pris plus d'un mois. Donc, pendant un mois, le client avait une très gros d'eau, donc je crois que le soir il coupait le ballon, mais bon la journée pour travailler il avait besoin d'eau chaude sanitaire, donc euh, voilà, il n'avait que ça pour produire euh, son eau chaude il a sa consommation d'eau qui a explosé donc lorsque j'ai appris que le brûleur était en défaut et que je lui ai dit euh, la panne que c'était, et comme il n'y avait pas de pièces de rechange dans la salle des machines, eh bien, il a dû attendre encore une semaine de plus avant d'avoir de l'eau chaude, donc là par contre il était encore plus énervé, surtout que on le verra dans la prochaine vidéo, euh, la panne c'est vraiment un truc classique sur les brûleurs et bon, à vouloir faire des économies de bout de chandelle quand. Il n'y a pas de pièce, il n'y a pas de pièce. Hein. Alors la panne, je leur montrerai dans la vidéo show 207. Sur cette photo, on peut voir à l'intérieur de l'échangeur. Donc là, on est au niveau euh, du foyer. Là où la flamme du brûleur se développe. Et au fond, donc on a le... Le fond de l'échangeur, et après les gaz de combustion vont dans les tubes de fumée, et donc on voit qu'il y a plein de dépôts à l'intérieur. Il faut savoir que le boleur a tourné plusieurs semaines avec la fuite d'eau, donc euh, ça a produit beaucoup de saloperies à l'intérieur de l'échangeur. On le voit sur la photo à l'intérieur, il y a de la matière blanche, on dirait des cendres, c'est bizarre. Et donc la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi il y a eu autant de, de calcaire, de matière minérale entre le tube foyer et les tubes qui servent à évacuer les fumées. Donc là, ce que tu vois sur la photo, c'est un schéma de principe du fonctionnement donc, de cet échangeur-là. Donc ce schéma vient de la documentation du constructeur. Donc quelque chose qui est assez rare, cette documentation est en couleur et en français. Et en plus, cette documentation est très intéressante parce que on apprend pas mal de choses intéressantes. En tout cas, c'est une documentation qui permet de s'auto-former sur ces sujets-là. Donc je vais lire quelques passages de cette documentation. Donc le premier passage, c'est sur le fonctionnement de l'échangeur. L'échangeur hydrogaz est toujours monté sur une bride de trop de du ballon le tube foyer le faisceau tubulaire et le faux bombé entre parenthèses retournement des fumées sont obligatoirement immergés dans l'eau un brûleur à gaz est directement fixé sur la boîte à fumée de l'échangeur le gaz est brûlé dans le tube foyer de l'échangeur ensuite les fumées sont évacuées vers la cheminée via le faisceau de tubes l'échange de chaleur s'effectue donc tout le long des parcours immergés entre la flamme les fumées et l'eau pour limiter la différence des températures entre les parties supérieures et inférieures de l'échangeur l'arrivée de l'eau froide d'un point doit être au dessus de ce dernier les les autres configurations doivent être acceptées par le fabricant avec autorisation écrite. Le brûleur ne doit jamais fonctionner lorsque l'échangeur n'est pas immergé dans l'eau. Donc le fabricant indique que la qualité d'eau froide à chauffer doit conformer aux recommandations du DTU 60. Point 1, Mesuré à 20 degrés, à savoir un pH supérieur à 7,2. Un th, donc ça c'est le titre hydrotimétrique entre 8 et 15 degrés français. Donc après on a d'autres valeurs. Donc l'autre valeur qui est intéressante c'est le TAC. TAC pour titre alcalimétrique complet, qui doit être compris entre 10 et 20 degrés français. Je dis que ce sont des valeurs intéressantes parce que par exemple sur mes vidéos sur les chouettis en vapeur, donc j'en parle, lorsqu'on a des chouettis en vapeur. Donc, suivant la puissance, on fait une analyse d'eau au minimum une fois par semaine. Et suivant la puissance, on peut faire une analyse d'eau tous les jours. Et les valeurs que l'on mesure, donc c'est le pH, le TH, le TA, le TAC et les sulfites et phosphates. De souvenir. Donc, ici, là, ce qui nous intéresse, c'est surtout le TH, le TAC pour de l'eau chaude sanitaire. Et donc, on voit aussi que la résistivité de l'eau doit être compris entre 4500 ohms par centimètre et 2200 ohms par centimètre. Et là, on a un petit panneau, attention, nota bene. D'une manière générale, il faut s'assurer de non-dépôt du calcaire sur l'échangeur tubulaire à la température d'utilisation. Donc, là, on a pu voir que l'échangeur que j'ai enlevé, il était blindé de dépôt calcaire, ce qui l'a bousillé, alors qu'il y a un traitement de l'eau. Je vais le montrer après, là, l'adoucisseur. Lors de la mise en place de L'appareil, il est impératif de prévoir une zone de dégagement pour l'échangeur hydrogaz de longueur au moins égale au diamètre du réservoir. Donc, on le verra après dans la documentation. Le constructeur montre comment on peut faire pour enlever son échangeur tout seul. Et donc, obligatoirement, pour enlever l'échangeur, mais ben, il faut libérer de la place. Donc là, on avait pu voir que dans la salle des machines, la place, c'était pas ça, hein, c'était limite. Et on peut lire aussi là, l'arrivée d'eau froide doit impérativement se situer au-dessus de l'échangeur. Donc là, il en remet une couche. Alors montage et démontage de l'échangeur hydrogaz, donc le constructeur dans sa documentation montre la technique qu'il faut utiliser pour enlever son échangeur. Donc lorsqu'on monte ou démonte un échangeur hydrogaz dans un ballon, il faut absolument éviter d'abîmer les faisceaux tubulaires de l'échangeur, car il y a très peu de distance entre ces tubes et la paroi de trou d'homme. Il est donc impératif de monter et démonter l'échangeur hydrogaz avec les outils adaptés qui permet de maintenir l'échangeur à l'horizontale, en équilibre, sans toucher les parois de trou d'homme, ainsi d'éviter de créer des contraintes sur les faisceaux. Tubulaires. Exemple, pose directe des faisceaux tubulaires dans le trou d'homme ou sur un support. Modèle des outils utilisés par la case énergie. Donc ça, c'est le fabricant du ballon. Les figures ci-dessous nous montrent un outil qui permet d'équilibrer les hydrogazes TRG. Donc il y a différentes tailles de ballon, donc il y a différentes tailles d'échangeurs. Donc là, on va voir le principe utilisé. Dans un premier temps, on introduit la partie 1 dans le tube foyer. L'accroche 3 permet de monter l'échangeur par un anneau. Ensuite, on bouge le tube 5 par l'accroche 4 afin de régler le système à l'équilibre horizontalement. Dès que l'échangeur est bien réglé à l'horizontale, on peut l'introduire dans le ballon ou le retirer. Sans risque de toucher les parois, donc on le voit la figure là. Donc là où il y a la flèche, on voit qu'il y a changeurs On voit que il faut rentrer donc un tube. Donc là où il y a la flèche, là on voit un tube et on voit que ce tube est tenu donc euh, par une élingue, une sangle. Et on voit que tout ça c'est soutenu par une chèvre. Donc déjà là où j'étais pour passer une chèvre, il n'y avait pas la place parce qu'il y avait un compresseur d'air comprimé. Il y avait le sel de l'adoucisseur qui était stocké en bas, le bac de l'adoucisseur qui était au milieu. Bon, s'il y avait un gros bordel quoi. Et là où il y a la flèche, on peut voir le contrepoids. Donc, donc euh, ce texte là se base bien sûr sur le petit schéma de principe qu'il y a juste au-dessus, donc là où il y a la flèche. Donc je continue. La figure de gauche représente un outil qui est utilisé pour les gros hydrogazes. Maximi les HDZ250. Sur ces gros hydrogazes, il y a deux oreilles sur la plaque du support d'échangeur. La tige de cet outil peut traverser ces deux oreilles afin de fixer l'échangeur sur cet outil. Avec cet outil, on n'a pas besoin de régler les échangeurs en horizontal car les accroches de 2 à 8 sont déjà réglées pour l'équilibrage des échangeurs correspondants. Par exemple, si l'on veut monter un maximum 160 on ne peut qu'accrocher l'accroche 2 pour les monter donc ça c'est pour euh, d'autres modèles d'échangeurs donc c'est assez bien expliqué suivant le type d'échangeur utilisé le constructeur nous fournit euh, les couples de serrage préconisés et bien sûr il nous conseille vivement de remplacer le joint usagé lors du remontage de l'échangeur sur l'autodome donc là quelque chose de très intéressant c'est la partie entretien. Donc, euh, c'est ce que conseille, c'est ce que recommande le constructeur pour l'entretien de son ballon et de son échangeur. Donc, c'est en ça que cette documentation est très intéressante parce que l'entretien qui est bon pour ce ballon-là, avec ce type d'échangeur-là, eh bien, c'est valable pour tous les ballons d'eau chaude sanitaire qui utilisent ce type de technologie. D'où euh, ce que je disais tout à l'heure lorsque j'employais le terme d'auto-formation. Moi, ça, en formation, je ne l'avais pas vu hein, quand j'ai fait ma formation de technicien de maintenance des équipements thermiques, donc à lave-pas. Donc, voilà, on est sur le terrain on a les bases, hein, fonctionnement d'un brûleur fonctionnement hydraulique, mais sur ce type de matériel là, qu'est-ce qu'il faut faire, on sait pas trop donc ça sert à ça, les documentations constructeurs, lorsqu'elles sont bien faites et lorsqu'elles sont en français, après il faut aussi les avoir hein, souvent sur le site, il n'y a pas grand chose d'ailleurs ces documentations là, je l'ai demandé ou je l'ai sur internet, donc euh, qu'est-ce que nous conseille le fabricant, l'entretien d'un hydrogaz est aussi réduit que possible, mais la maintenance minimum décrite ci-après est obligatoire la garantie sur ce matériel implique le respect de ses prescriptions, donc une fois par mois au minimum suivant la qualité d'eau prévention des risques d'entartrage et de corrosion de l'échangeur et du réservoir par contre de la qualité de l'eau d'alimentation donc on a un petit rappel sur l'eau, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure sur le DTU 60.1 donc ça, ça veut dire qu'il faut faire une analyse d'eau une fois par mois c'est ce qui conseille, mais je reparlerai de l'analyse d'eau lorsque je reparlerai de l'adoucisseur d'eau après euh, ce passage là s'assurer que l'évacuation des condensats n'est pas obstruée, donc ça c'est au niveau du conduit de cheminée, lorsque les gaz de combustion vont dans le conduit de cheminée sur la température du gaz de combustion et eh bien ça peut condenser dans le conduit et c'est donc ces eaux là qui sont évacuées une fois par an au minimum contrôler l'état de l'échangeur existence de dépôts de tartre et le nettoyer si besoin suivant la nature de l'eau on peut être amené à réduire fortement la périodicité des contrôles donc là c'est quelque chose d'hyper important, mais ça aussi j'en reparlerai à la conclusion. Pourquoi sur ce site-là l'échangeur n'a jamais été enlevé et contrôlé dans tous les ballons d'eau chaude sanitaire avec trou d'homme, il faut l'ouvrir une fois par an. Comme je l'avais fait dans la vidéo show 195, l'entretien de ballons d'eau chaude sanitaire tout électrique de 2000 litres. Et dans la vidéo Show 164, l'ouverture et l'entretien d'un ballon CS de 3000 litres chauffé par une épingle. Donc ça je vais en parler après en, en bilan de la vidéo pourquoi l'échangeur. N'a pas été enlevé. Donc, après, si besoin, procéder au ramonnage du faisceau tubulaire pour y accéder à un démontage du couvercle de la boîte à fumée est nécessaire. Lors du remontage du joint, il est impératif de l'enduire sur ces deux faces de pâte type auto-joint bleu résistant à 250 degrés Celsius en service continu pour éviter un suintement des condensats. Donc, ça, j'en ai pas parlé parce que je ne l'ai pas pris en photo et je ne l'ai pas filmé. Mais lorsqu'on remet donc cette plaque, il faut refaire l'étanchéité, il faut refaire le joint. Et bien, moi, j'ai fait un joint tout autour. Et j'ai utilisé donc euh, la pâte d'étanchéité Loctite que j'ai utilisé dans la vidéo Vapeur 34, le contrôle réglementaire et le ramenage de séchouiller à vapeur. Donc c'était de la Loctite 5399. Donc c'est du silicone en température. Donc c'est exprès pour euh, encaisser des températures très élevées. Donc je l'avais utilisé pour coller les joints, en tout cas pour les maintenir. Donc pour faire l'étanchéité sur la boîte à fumée, j'ai utilisé ce type de produit là. Donc après, pour l'ensemble des points abordés dans cette notice, notre SAV reste à votre écoute au numéro de téléphone suivant. Donc ça, c'est le numéro de téléphone euh, du constructeur comme tous les constructeurs ils ont un numéro de téléphone où on peut les joindre deux fois par an contrôler la qualité de la combustion afin de préserver la qualité de l'environnement et d'économiser l'énergie donc ça c'est au moins une fois par an donc ça c'est le contrôle annuel de la combustion du brûleur donc aussi un petit panneau attention attention danger un brûleur gaz ne doit jamais émettre de fumée noire bon ça c'est sûr hein. sur du gaz ça émet du fumée noire c'est qu'il y a un gros souci avec la combustion faire corriger les réglages pour conserver la propreté de l'élément chauffant alors dans la documentation, le constructeur euh, donne des conseils pour le serrage de l'échangeur sur la bride avec la boulonnerie. Donc rappel de quelques principes fondamentaux. Le serrage idéal de l'ensemble bride-boulonnerie-joint est l'application d'une pression de montage correcte sur le joint. Pression assez basse pour éviter d'endommager le joint, mais suffisamment élevée pour éviter une fuite de l'étanchéité. Un contrôle précis de l'effort appliqué à une disposition de bride particulière est d'une importance vitale. L'ordre dans lequel on serre les boulons ou les tiges filetées pèsera considérablement sur la répartition de la pression de l'ensemble sur le joint. Un mauvais serrage des boulons peut modifier le parallélisme de la bride. Un joint sera généralement capable de compenser une faible déformation de ce type, mais on peut rencontrer de sérieuses difficultés si le parallélisme des brides est très affecté. Il faut serrer les écrous, quel que soit l'outil utilisé ou à la main, selon un schéma de serrage en croix. Pour la plupart des matériaux composant le système de bride, y compris les joints fixation et écrous rondelles, la relaxation se stabilise après un temps assez court. Pour les matériaux utilisés pour les joints tendres, l'un des principaux est généralement le phénomène de fluage-relaxation du joint. Ces effets s'accentuent à des températures élevées et ont pour résultat net une réduction de la contrainte de compression sur le joint, ce qui augmente la possibilité d'une fuite. Il est conseillé de serrer à nouveau les fixations au couple nominal au moins une fois 24 heures après le montage initial ou avant sa livraison. Ne resserrez pas un joint à base d'élastomère après qu'il ait été exposé à des températures élevées. Procédure simplifiée du serrage en trois phases minimum. Donc phase 1, tout d'abord accoster les écrous à la main. Ceci permet de vérifier si les filets sont corrects. Ensuite, serrer uniformément les écrous à la main selon le schéma de serrage en croix, au moins en respectant les ordres indiqués par les chiffres en rouge. Voir schéma ci-dessous, donc ça on le verra après, le schéma. Phase 2, à l'aide d'une clé à cliquer, serrer à la main jusqu'à 70% du couple préconisé selon le schéma de serrage en croix, au moins en respectant les ordres indiqués par les chiffres en rouge. Vérifier que la bride repose uniformément sur le joint. Les épaisseurs du joint devraient être relativement homogènes après écrasement. Phase 3, serrer à l'aide d'une clé dynamométrique au couple total défini suivant le schéma de serrage en croix au moins en respectant les ordres indiqués par les chiffres en rouge. Donc moi des clés dynamométriques en maintenance j'en ai encore jamais vu. Hein. Dans la maintenance climatique et en fois commerciale je sais que dans des boîtes il y en a qui les ont. Alors, procédure du serrage en 5 phases recommandée par ESA. Donc l'ESA, c'est la directive concernant l'utilisation sûre des joints d'étanchéité. en anglais. The European Association. Donc on reprend les 3 phases de la procédure précédente. Donc phase 1, tout d'abord, enfoncer les écrous ou les boulons à la main. Ceci permet de vérifier si les filets sont corrects. Si l'on ne peut enfoncer les écrous à la main, alors il y a probablement un filet défectueux. Et si à nouveau et remplacer éventuellement les pièces défectueuses. Ensuite, serrer uniformément les écrous à la main. Selon le schéma de serrage en croix, voir si après. Phase 2, à l'aide d'une clé dynamométrique, serré à 30% maximum du couple préconisé, une première fois tout autour selon le schéma de serrage en croix. Vérifier que la bride repose uniformément sur le joint. Phase 3, serré à 60% maximum du couple préconisé selon le schéma de serrage en croix. Phase 4, serré au couple total préconisé selon le schéma de serrage en croix. Phase 5, passe finale au couple total dans le sens horaire sur des fixations adjacentes. Après les 5 passes de serrage de base, il peut être avantageux de de répéter la passe 5 jusqu'à ce qu'on observe plus aucune rotation de l'écrou le serrage final doit être uniforme chacun des boulons tirant la même charge et donc là on peut voir euh, les schémas de serrage en croix sur les brides donc là on peut voir un zoom sur ces schémas de serrage en croix par exemple pour le serrage en croix donc euh, là où il y a la flèche là sur la partie gauche on voit bien les chiffres 1 2 on voit que le 2 est à l'opposé de 1 après on voit que le 3 est du côté droit le 4 est complètement à l'opposé du côté gauche donc après 5 6 donc à chaque fois c'est à l'opposé quoi 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Après, sur le schéma de serrage en croix, sur celui du milieu, on voit qu'on sert 24 boulons espacés de 15 degrés. Et sur l'autre, c'est 28 boulons espacés de 12,86 degrés. Et sur le premier, je ne l'ai pas dit, c'est 16 boulons espacés de 22,5 degrés. Et donc, ça, c'est bon à savoir. Donc, là, sur cette photo, on peut voir le schéma hydraulique de l'installation. Donc, là, ici, là, là où y a ma Souris, là, on peut voir donc, le ballon gaz. Là, on voit l'arrivée gaz, donc là le brûleur ils l'ont pas dessiné. Là on voit que sur le schéma ils ont... ils ont mis la purge. Donc on voit que ce ballon de CS sert à chauffer de l'eau, donc qui a été déjà préchauffé par ce ballon de CS là. Donc ici on a l'eau froide qui arrive, on rentre dans le ballon. Donc ça c'est un ancien symbole du clapet anti-retour. Donc le fluide passe comme ça, parce qu'en principe maintenant ça se représente plus comme ça le symbole du clapet anti-retour. Donc on passe là, l'eau froide passe ici, donc là dans ce ballon là il y a une épingle qui réchauffe l'eau froide. Donc on passe ici, on passe dans le ballon ECS qui est chauffé par le bouleur gaz, on passe ici, après on va sur l'installation du client. Donc là on voit cet échangeur là, là. donc là il y a une pompe, l'eau passe sur cet échangeur à plaque là, ça revient ici. Donc c'est une boucle fermée et ça se réchauffe comme ça et ça circule comme ça. Et donc ici là, il y a une machine frigorifique qui a un groupe froid qui récupère euh, les calories, en tout cas un petit peu, au niveau de l'HP donc euh, du côté. Euh Refoulement des compresseurs, l'échangeur à plaque il est petit, hein. et le condenseur il est à l'extérieur du bâtiment. Donc là quand même comme le site est assez grand, on a une boucle CS, retour boucle CS. Ça permet d'avoir de l'eau chaude instantanément robinée lorsqu'on l'ouvre au bout de quelques secondes. Donc la pompe euh, de recyclage, pompe de bouclage CS, là pareil et on a un clapet anti-retour. Donc là c'est vrai que sur les schémas il devrait mettre une flèche pour euh, être sûr du passage euh, du fluide. Parce que là ce symbole-là en principe on le met à l'envers. Le symbole clapet anti-retour n'est plus comme ça et voilà et on passe comme ça. Donc même si tous les robinets sont fermés, l'eau circule par le biais de la boucle de retour au Donc là, ce que l'on peut voir sur la photo, c'est l'adoucisseur. Donc, lorsqu'il y a un réseau de chaude sanitaires, ou même un réseau de chauffage, donc assez grand, pour protéger la tuyauterie, pour protéger les échangeurs, il y a toujours un traitement de l'eau. Donc ici, l'adoucisseur est au-dessus de la salle des machines, et les cuves où l'on met le sel pour régénérer, donc, la résine qu'il y a dans l'adoucisseur se trouve à proximité du brûleur. Donc c'est étrange comme installation, parce que souvent l'adoucisseur et les cuves sont côte à côte, donc là, c'est pas le cas. Donc vu la quantité de dépôts qu'il y a sur l'échangeur, est dans le ballon, donc euh, dépôt de calcaire, puis il doit y avoir d'autres matières, d'autres matières minérales, bon j'ai oublié les noms, donc il y a deux raisons à cela, donc la deuxième on la verra au bilan, mais la première raison c'est peut-être que le traitement de l'eau est défectueux, donc il faut savoir que lorsque l'on veut faire traiter euh, l'eau d'une installation, ça ne se fait pas au hasard, on fait venir une société spécialisée dans le traitement de l'eau, donc qui euh, analyse l'eau et qui donc fait une proposition au niveau du traitement de l'eau. Donc là il y avait un adoucisseur, mais ce n'est pas parce qu'il y a un adoucisseur qui qui fonctionne correctement, qu'il est bien réglé. Et souvent aussi, on, sur certains sites, on peut voir des pompes doseuses qui injectent un produit chimique à l'intérieur du réseau d'eau chaude sanitaire. Donc là, il n'y a qu'un adoucisseur et le client, sur cette installation-là, ne fait qu'un recharge en sel dans les petites cuves qui servent à régénérer la résine qu'il y a dans l'adoucisseur. Car le but, hein, comme j'ai déjà dit, le but de ces produits chimiques-là, et donc aussi de l'adoucisseur, c'est de protéger les installations donc des phénomènes d'entartrage, de corrosion et de prolifération biologique, comme par exemple la légionnaire, et d'autres saloperies qui peut y avoir dans l'eau chaude sanitaire sur les réseaux collectifs donc là ce que tu vois sur la photo c'est des produits qui servent au traitement de l'eau d'ailleurs tu peux voir que dessus il y a le panneau corrosion donc c'est vraiment des produits chimiques parce que là ils sont purs après on les dilue dans la cuve où il y a la pompe doseuse donc c'est pour ça que le dosage c'est important et ça c'est le spécialiste de la société de traitement donc de l'eau qui te l'indique donc là tu vois sur ce site là j'ai plusieurs bidons et on voit que là bon ils sont stockés comme ça là et ça il faut pas le faire non plus en principe quand tu as des produits chimiques il faut les stocker sur des bacs de rétention au cas où il y aurait une fuite donc, il faut demander des bacs, et les faire acheter par le client. Et donc, sur ce site-là, j'apprends que, donc, au niveau de la maintenance, hein, il n'y a pas de contrôle de l'eau. Donc, après, j'apprends que le client avait mis un adoucisseur par une petite société. Donc, on ne sait pas s'il fonctionne vraiment. Le traitement de l'eau n'est pas compris dans le contrat. Donc, là, ce que tu peux voir, c'est une trousse qui sert à faire des analyses d'eau. Et cette trousse-là permet de contrôler le TA et le TAC qu'il y a dans l'eau. Donc, à l'intérieur de cette boîte, on peut voir qu'il y a un tube qui est vide et on peut voir euh, des petites bouteilles à l'intérieur il y a un réactif donc il suffit de faire un prélèvement d'eau dans le tube qui est vide donc euh, il le marque sur la documentation par exemple pour le test du taille il faut faire un prélèvement de 20 ml et après on rajoute euh, des gouttes donc du réactif donc il y a deux réactifs là le PA1 et le PA2 et donc à partir euh, d'un certain nombre de gouttes versées dans le tube où il y a l'eau à contrôler la couleur va changer et après on a une petite formule qui permet de connaître le TA en degré français le TA c'est le titre alcalimétrique simple et le TAC c'est le titre alcalimétrique complet. Après, suivant aussi ce que l'on veut analyser, on peut avoir aussi des bandelettes, par exemple pour le pH, pour les phosphates, pour les sulfites. Donc là, les sulfites, c'est utilisé lorsqu'on fait du contrôle de l'eau, mais pour... Des chaudières vapeur mais l'idée c'est que on prend la petite bandelette on la trempe dans l'eau à contrôler et au bout d'un certain temps les réactifs qu'il y a sur la bandelette vont changer de couleur et suivant la couleur que l'on peut voir et eh bien voilà par exemple pour les sulfites suivant la couleur eh bien, on voit que c'est soit du 10 du 50 du 100 du 250 ou du 500 ppm et pareil pour les bandelettes pH lorsqu'on le mesure un pH il y a des codes couleurs suivant la valeur du pH de l'eau donc là sur cette photo on peut voir euh, les changeurs donc euh, l'intérieur d'une chaudière vapeur quand le traitement de l'eau est correct et eh bien à l'intérieur de la chaudière, il n'y a aucun dépôt, il n'y a rien. Sur cette photo, on peut voir qu'il y a un peu de matière blanche sur l'échangeur, donc euh, sur la chaudière vapeur. Donc on peut se dire qu'à un moment donné, le traitement de l'eau a eu un petit souci, mais on voit que ça reste quand même très correct. Alors que comparé à cet échangeur là, donc qui est l'échangeur qui est HS au niveau du ballon de CS, là on voit qu'il y a eu un très 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 gros problème avec le traitement d'eau de et c'est ce qui a détruit l'échangeur donc euh, bilan de cette petite intervention, bon déjà la première chose on voit que le traitement de l'eau c'est pas fait pour faire joli hein. même si euh, lorsque l'on ouvre ce robinet on voit que l'eau est translucide euh, qui a priori il n'y a rien à l'intérieur de particulier, arrêtez si l'eau chaude n'est pas traitée elle a la capacité de détruire les tuyauteries et de détruire les échangeurs, donc là bien sûr je parle d'installation collective, hein. je parle d'installation où il y a des grosses quantités d'eau chaux sanitaire qui circulent, hein. parce que l'eau lorsqu'elle est à une certaine température il se produit une réactions chimique. donc voilà, donc ça c'est le spécial du traitement de l'eau qui doit faire en sorte que ce type de problème là n'apparaisse pas donc il faut traiter l'eau mais aussi il faut contrôler le traitement de l'eau c'est pas parce qu'il y a un dosisseur que dosisseur fonctionne bien parce que comme j'ai dit il y a de l'eau qui rentre d'un côté il y a de l'eau qui sort de l'autre et lorsqu'on regarde cette eau comme ça on voit rien du tout d'où l'intérêt de faire des analyses régulières et après pour faire des analyses plus poussées de faire venir la société bah, qui s'occupe du traitement de l'eau donc le type de produits chimiques à utiliser surtout les dosages les quantités parce que là s'il y a eu un traitement de l'eau donc si la société qui avait fourni ce de traitement de l'eau, donc s'engage aussi euh, à un résultat, bah là il y aurait eu des problèmes pour cette entreprise là. Que le client aurait pu dire j'ai payé une prestation et je, je me rends compte que ce que vous m'avez vendu, bon, c'est ça vaut rien quoi. C'est du vent donc ici qui, qui paye l'échangeur, le client ou la société qui s'occupe du traitement de l'eau de l'installation. Donc ça c'était le premier point, le traitement de l'eau. Le deuxième point est tout aussi important, comme on avait pu le lire dans la documentation constructeur, il faut ouvrir le ballon une fois par an. Sauf que pour l'ouvrir, on a pu voir qu'il fallait quand même du matériel spécifique et aussi il faut que ça soit compris dans le contrat de maintenance. Donc moi j'étais déjà venu sur ce site là pour faire l'entretien du bain CS, mais... Euh que sur le brûleur. Et donc, je vais signer à mon responsable sur des ballons d'eau chaude sanitaire avec tout d'homme. Il faut ouvrir pour voir euh, ce qu'il y a à l'intérieur, pour voir comment le ballon se comporte. Donc, il me dit Oui, non, c'est pas utile, c'est pas compris dans le contrat. Car comme on a pu le voir, enlever l'échangeur, il faut être deux. Le remettre, il faut être aussi deux. Le nettoyer, ça prend un certain temps. Et je vais dire par là que la prestation, c'est plus la même, quoi. Faire l'entretien du brûleur et faire l'entretien du brûleur et du ballon ECS, c'est-à-dire faire tomber l'échangeur. Voilà, là, on passe sur une prestation, il faut une journée complète, quoi. Donc, là, à mon avis, euh, le commercial a vendu du vos clients, c'est à dire que sur le papier il y a marqué on fait l'entretien du brûleur du ballon, blablabla. Et puis dans la réalité, hein, chaque tâche nécessite un certain nombre d'heures et donc ça a un certain prix. Si les heures sont pas au contrat, euh, voilà, c'est pas fait. Et donc là, c'est ce qui s'est passé ici. De plus, ce type de ballon là. Franchement, il n'est pas adapté à ce type de site-là parce qu'il n'y a pas la place pour enlever l'échangeur correctement, comme on a pu le voir dans la salle des machines. Et que voilà, ils auraient mieux dû mettre des sticks là, c'est-à-dire euh, des brûleurs atmosphériques qui chauffent euh, un ballon d'eau chaude. Au moins, il n'y aurait pas eu ce genre de problème là. Parce que ce type de brûleurs atmosphériques sont posés au niveau du sol, donc il y a juste à les tirer. Là, on a pu voir que ce type d'échangeur-là se trouve en hauteur. Et donc, l'accès, c'est vachement plus difficile, quoi. C'est un autre niveau. Là. De plus, le coût de la vanne qui est inaccessible parce qu'il faut savoir qu'il y a des sites. Une fois par semaine, donc ça c'est souvent sur du posté ou une fois par mois, il y a des purges de ballons qui sont faites. En réalité, je devrais plutôt dire des chasses ballons qui sont faites. Donc ça consiste à quoi Ça consiste à ouvrir d'un coup la vanne entièrement pour qu'avec la pression de l'eau chaude sanitaire et qu'il y ait une grosse chasse ballon pour justement un peu évacuer les dépôts qu'il y au fond du ballon, ce qu'on appelle les chasses ballons. Donc là, la chasse ballon on peut pas la faire. Alors au niveau des installations merdiques, on trouve toujours pire parce que là, la vanne était inaccessible sur ce ballon ECS là, la vanne de purge, la vanne de vidange et sur cette installation là qui est quasiment neuve, et bien pareil, la vanne de vidange est complètement inaccessible. Par exemple, sur cette installation là, donc c'est un ballon euh, d'eau chaude sanitaire, sauf que sur celui-là, il y a deux échangeurs, c'est-à-dire qu'il y a un échangeur, on voit, il y a un brûleur gaz qui chauffe l'eau, et sur la droite, on voit qu'il y a une épingle parce que il y a des panneaux solaires donc qui préchauffe l'eau. Et donc, sous le ballon, on voit là où il y a la flèche, il y a une vanne, mais il n'y a pas de tuyauterie qui va à l'évacuation que l'on peut voir là, là où il y a la flèche. Et tu vois que la vanne a dû être posée certainement avant la du ballon, parce que là où elle est, tu vois qu'elle est complètement inaccessible. Parce que là, tu as la vanne là où il y a la flèche, et donc euh, juste en dessous, tu as le sol en béton. Là. Donc explique-moi comment tu fais pour ouvrir cette vanne là. Et même si tu arrives à l'ouvrir, après il faut la refermer. Hein. Donc ça, c'est un truc de fou. Parce que là, les chasse-ballon, tu oublies. Donc là, c'est là où il faut le voir pour le croire. Parce que là, c'est des installations quand même qui coûtent euh, dans les 100-150 000 euros quand hein, on l'installation complète, bien sûr. Là, on n'est pas sur de la petite installation de particulier à 3-4 000 euros là. Et on se demande. Au niveau des mises en service, si vraiment il y a quelqu'un qui contrôle, ou voilà, parce que moi quand je vois ça, je me pose beaucoup de questions. Donc c'est sûr que les pieds du ballon sont pas très hauts, hein, mais bon, des fois on voit sur des sites où il y a des châssis en béton, parce que ça c'est un ballon qui est assez gros, qui fait 2 mètres cubes. Donc avec le poids de l'eau et le poids du ballon, ça doit faire 3 tonnes tout ça. Moi j'ai déjà fait du chantier. C'est vrai que sûrement un pompier compétent, bon, il voit ça, il le signale. Mais après quand on est sur le chantier, quand on pose, et eh ben si le chef de chantier dit on s'en fout, on pose. Bon voilà, on n'a pas le temps de faire des modifs en avant quoi. Donc je pense que c'est ça. Qui qui explique que euh, on voit cette aberration là. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que sur le schéma hydraulique, euh, on peut le voir là qu'ils ont mis donc euh, la vanne et donc euh, la tuyauterie pour faire la vidange du ballon et pour faire la chasse ballon. Et bon, quand tu vois ça, tu te poses aussi des questions là. Par exemple, ça là, c'est l'évacuation des condensats qu'il y a dans le conduit de cheminée et on voit que le plastique qu'ils ont mis donc en sortie de ce siphon là. D'ailleurs, je vois pas trop l'intérêt de mettre un siphon, mais bon, euh, là on voit que le plastique a carrément fondu quoi parce que le matériel utilisé n'est pas adapté. Donc, ça, c'est encore un exemple de chantier local ça donc lorsque l'on a fini l'intervention avec le collègue donc on a fait voir au client que son échangeur était éclaté donc c'est pour ça qu'il fuyait donc on lui a dit que de faire contrôler son traitement de l'eau comme il ne l'avait jamais fait voilà parce qu'après bon si tu travailles tu le sais mais si tu t'as jamais travaillé tu regardes mes vidéos pour voir un petit peu comment ça se passe dans le du travail tu ne le sais pas mais quand tu es en entreprise par exemple, un client, tu ne peux rien dire de négatif sur ton entreprise. C'est-à-dire que, par exemple là, dire que la vanne de vidange est inaccessible, ça tu peux pas le dire, car si tu le dis, comme c'est ton entreprise qui a fait les travaux, le gars-là, le responsable, va appeler directement ton responsable à toi, et là tu vas avoir de gros soucis. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, comme j'ai déjà dit, tous les ans, ce type de ballon-là doit être ouvert, comme d'ailleurs le constructeur l'indique, mais ça c'est pareil, tu peux pas dire au client, ce ballon-là n'a jamais été ouvert, parce que peut-être que l'entreprise pour laquelle tu travailles c'est elle qui fait la maintenance de ce ballon là depuis 7 ans, donc là ça peut poser aussi un très gros souci. Donc tu es obligé de dire que. Que ce que le client a besoin d'entendre donc après ce type de client là souvent ils veulent les prix les moins chers donc voilà tu as du pas cher mais souvent le pas cher c'est sur le court terme voire le moyen terme mais sur le long terme ça coûte beaucoup d'argent parce qu'un échangeur comme ça ça coûte pas 1000 euros hein. plus la manœuvre là c'est peut-être une intervention à 6 7000 euros hors taxe donc voilà les prestations de qualité c'est un prix il y a des commerciaux qui vendent des prestations à un prix qui défie toute concurrence sauf que ces prestations là souvent si tu vends et ça on le voit souvent dans les sites et d'ailleurs sur les sites industriels aussi les gens au niveau technique sont beaucoup plus compétents et euh, voilà quoi. Tu peux pas leur vendre, euh, je sais pas, moi, quelque chose qui vaut 1000 euros. Si le commercial le, le vend 200 euros, à un moment donné, euh, le gars qui connaît un minimum, le travail, va se dire, euh, techniquement, c'est pas possible. Au niveau du temps passé sur l'installation, c'est impossible à faire. Donc ça, il faut pas être dupe Donc il y a des clients, ça, ils le savent, Donc, ils vont pas se faire tuer Par contre, il y a d'autres clients, ils le savent pas. Donc souvent, bon, ça, j'ai déjà vu sur une intervention sur un site, sur un site où il y avait des travaux neufs. Comme le client connaissait rien à la technique où il n'avait pas le temps de contrôler. Il a fait venir une société extérieure spécialisée dans le contrôle, c'est-à-dire que le gars vient, il fait le tour de toute l'installation pour voir si tout est conforme et si c'est conforme, après mais le client finit de payer l'installation, ce genre de choses. Donc voilà pour ce petit retour d'expérience. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Facebook, Google. plus Les liens sont sous la vidéo. Abonne-toi à la chaîne, ce n'est pas fait. Et à bientôt pour une prochaine vidéo vidéo.